Réaco News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel. Bienvenue, messieurs et dames, dans votre grande émission Que demande le peuple. Là, vous êtes en direct de Réaco News. Nous sommes toujours là pour vous informer, comme on vous l'a dit. Vous informer, c'est notre devoir. Si nous ne vous avons pas informé, donc vous ne serez pas à la hauteur de recevoir de belles informations, des informations bien filtrées. Donc, vous informer, c'est notre devoir. Ce n'est que nous qui peuvent vous informer. Les autres, là, ils vous mentent. Raison pour laquelle nous sommes toujours là, à contact avec l'actualité, pour le mettre à votre disposition. Aujourd'hui, nous sommes le 30 janvier 2024. Hier, c'était le 29 janvier 2024. Et la rentrée parlementaire, Oto Kakibongo, Bande Konabiso, ba député nationaux, ba Zongaki, ba Kendaki, Kosuye, présence Tabango, d'où il y a eu un registre d'appel qu'on effectuait, mais dans une rentrée qui était tellement miraculeuse, Tomoni Nakati a rentré parlementaire d'hier, il y a eu le nouveau député, dès les rentrées, sont commencés même à dormir dans l'Assemblée nationale. On ne sait pas si vous êtes allé là-bas pour faire le théâtre, si vous êtes allé là-bas pour faire les miracles ou soit pour faire de plaisanteries, car les Congolais ont besoin de propositions de loi qui leur sera favorable, de recevoir de meilleures propositions, de recevoir les parlementaires qui seront à la hauteur pour proposer et contrôler les gouvernements, en fait de leur porter soutien. Mais oh, déjà tous alli comme on a, ça nous donne déjà les indices de ce qui sera l'avenir de ces parlements. Personnellement, je ne vous condamne pas trop parce que ce sont eux-mêmes, la population, qui vous ont choisi, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est eux, la population, qui vous avez choisi ou vous étiez désigné, comme ça s'est dit dans des rues, partout on en parle, que vous étiez désigné, donc tu n'as pas souci de cette population. Aujourd'hui, nous avons trois points que nous allons échange avec vous dans cette émission. Entre autres, nous allons parler sur la rentrée parlementaire d'hier. Vital Kamerhe humilié, chanté, voleur, sorti au sein du plénière. Nous allons encore parler de la présence remarquable de Matata Mpodjo, l'un de l'opposition qui s'est retrouvé dans ce parlement. Est-ce qu'il est allé là-bas justement pour revêtir de ses immunités en fait de ne plus se présenter à la justice, pour qu'il ait des procédures avant qu'il puisse se soumettre aux obligations de la justice, ou il est allé là-bas pour ses intérêts personnels. Entre autres, je ne sais pas si il y a un règlement d'ordre intérieur, ou soit un règlement portant l'organisation et fonctionnement de l'Assemblée nationale qui lui demande toujours de se présenter, qui ne pardonne pas le député absentéiste. Et c'est la loi qui est Matata Mpodjo hyper, ou il est allé là-bas justement pour couvrir, entre guillemets, on a bien au Congolais, vous pouvez sa réponse de partout dans le monde entier où vous êtes. Comme nous vous avez dit l'autre fois, nous serons un peu à bilingue pour permettre la communication avec nos frères qui sont dans des différents pays, parce que nous recevons vos appels, chers fidèles internautes. Si on vous informe souvent à Lingala, ce n'est pas la capacité de transmettre le message en français qui nous manque, mais plutôt pour faciliter la communication, pour donner aussi de la valeur dans notre langue, le Lingala. Mais voilà un peu aujourd'hui là, vu les circonstances que nous raconterons, de vous mettre à conjonction avec l'actualité. Nous sommes censés de s'améliorer quand même avec les Français pour permettre à nos frères là qui n'écoutent pas le Lingala de recevoir le message. Je crois bien, bien que vous là qui nous attendez, parler Lingala, vous maîtrisez bien aussi le français, donc rien ne vous empêche de nous suivre, mais nous serons quand même bilingues pour faciliter et pour améliorer notre qualité de l'émission
avec notre invité qui est ici. Et troisième point, nous allons débattre autour du phénomène Kuluna en Akatsia, ville province de Kinshasa. Nous avons vu les policiers eux-mêmes sont en train de fuir les Kuluna. Alors, quelle sera la suite de la population? Ce qui nous a étonné, nous sommes ici avec Deco Walter. Monsieur Walter, il est ici avec nous. Il est le président de la structure, le jeune futur. C'est avec lui que nous allons débattre autour de nos points d'actualité. Il est là au plateau, Monsieur Walter. Bonjour et bienvenue dans ce plateau de Réaco News. En tout cas, merci beaucoup, messieurs les journalistes et Jancy. Je suis très ravi de vous m'accueillir dans ce plateau. Je salue d'abord à tout le monde de partout où vous êtes. Moi, c'est monsieur Lono Mbengenda Walter. Je suis le président et l'initiateur de l'organisation Les Jeunes Futurs, qui est une organisation internationale. En tout cas, merci beaucoup. Merci, monsieur Walter, sans plus tarder, parce que j'ai déjà eu le temps d'expliciter avec beaucoup. Cette annonce m'a pris vraiment du temps. Oui. Donc, c'était juste la nécessité qui me l'obligeait d'y parvenir, d'y arriver jusqu'à ce point. Alors, monsieur Walter, vous avez suivi hier la rentrée parlementaire, bien que vous étiez à Kwilu, il faut signaler à ceux-là qui nous suivent. Vous étiez à Kwilu, il y a eu la rentrée parlementaire le 29 janvier 2024. Nous avons vu beaucoup de spectacles qui ne nous a pas plu. Entre autres, dès l'entrée, nous avons vu les nouveaux députés, les nouveaux locataires de l'Assemblée nationale de cette législative qui ont commencé même à dormir dans cette plénière. Mais il y a un fait d'actualité qui fait débat. Vital Kamerhe humilié lorsque les questions adjoints, les rapporteurs adjointes faisait donc interpeller le registre d'appel. Nous avons vu Vital Kamerhe. Lorsqu'on a cité les noms de Vital Kamerhe, on va nous balancer cela avant que nous puissions encore expliciter les détails. Vital Kamerhe, on l'a secoué, on l'a chassé, bien que tant que pacificateur, il est resté toujours là au sein de l'Assemblée nationale. On a poussé des cris Bima. Bima, on l'a taxé de tout mot, les autres volaient, tout ça. Lorsque vous avez regardé cette image, quelle est l'élégance ou soit la place de la République démocratique du Congo sur la scène politique ou soit la viabilité politique congolaise quant à d'autres pays? Parce que cette rentrée parlementaire a été suivie partout dans le monde entier. En tout cas, merci beaucoup pour la parole. Vu que j'avais suivi bien la vidéo en question, en regardant seulement d'abord comment les gens ont manifesté dans la salle, bon, moi-même j'ai été étonné, vu que les gens que nous, la population, nous l'avons choisi, ils ont commencé à faire encore des aventures au niveau du palais du peuple. En tout cas, ça m'a étonné. Nous tous, nous savons que M. le Vital Kamerhe est un voleur. M. le Vital Kamerhe... Mais il a été lavé quand même, parce que lorsque vous parlez du voleur, oui. Il faut pas oublier que Vital Kamerhe, il était voleur, mais la justice l'a jugé parfait. Donc, exactement. Il n'a aucun reproche aujourd'hui. Donc, bien je ne sais pas. Bien sûr, M. le Vital Kamerhe, d'abord, nous savons tous que c'est un voleur. C'est quelqu'un qui a déjà pillé la République démocratique du Congo. Sur quel plan? Tandis que le chef de l'État avait dit c'est une personne honnête, très fiable, il jouera un nouveau rôle. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe est le ministre de l'économie. Papa, Tsikarano, Tolobatolobaté. Ok, avançons. En regardant seulement d'abord les parcours de M. le Vital Kamerhe, ce qu'il a déjà fait dans ce pays. Ce qu'il a déjà volé dans ce pays, si nous regardons bien, il n'y a pas de changement. Ce que moi j'ai remarqué, c'est quelqu'un qui pille d'abord le pays, c'est quelqu'un qui cautise le pays, mais les résultats que nous, la population, nous attendons, on ne va pas. On ne va pas. Mais on vous avait parlé. Il y a projet Oyo. Basso des moutons. Il y a 100 jours. Il y a 100 jours. Bissonios, tu se prétendais que tu es un peu plus de temps dans le pays. Mais c'est les journalistes, j'en sais. Mais
au finish, ils allaient gaka ou va contourner côté au boy. Oh, et qu'il aille côté au boy. Oh, monsieur boy, monsieur boy, monsieur boy. Alors, si nous attendons que monsieur le Vitar Kamer a qu'il n'a ensemble pour na a changé au changement mon et mon en boka na biso oyo mboka na biso et qu'on a toujours au kota kaka na kao. Alors, en regardant tout ce qui s'est fait hier, oui, oui, donc vous êtes partant avec cela qui lui humiliait, qui lui secouait. Si c'était moi, tu allais ajouter quoi? Si j'étais moi, oui, j'allais dire seulement à monsieur le Vitar Kamer d'aller dire à monsieur le, son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi que nga na pays oyo na tik d'abord luka moto mususu a sala la place na ngai, parce que on ne peut pas surtout continuer à suivre cela. Comment est-ce que Vitar Kamer est tout en état pacificateur, tout en étant la personne qui incarne des valeurs selon ce qui se dit? Comment aujourd'hui là vous pouvez lui taxer dans ces mots, vous pouvez lui diminuer? Est-ce que, parce que majorité dans cette rentrée parlementaire d'hier, je vis à certains candidats, certains députés qui ont amené leurs militants du parti. Donc ce sont les militants en vrai dire qui criaient sur Vitar Kamer, qui ne sont pas pour sa gestion, soit qui ne sont pas contents de voir Vitar Kamer aujourd'hui créer une plateforme. Peut-être c'est dans cette optique-là que le militant a commencé à crier sur lui. Parce que personnellement, regardant Vitar Kamer, je ne vois pas le mal qu'il a fait. Parce que lorsque on taxait Vitar Kamer de tout mot, il y a certaines personnes qui lui défendaient. Et aujourd'hui là, lorsque on taxe Vitar Kamer de voler de l'autre côté, les institutions habilitées pour condamner Vitar Kamer, ils ne l'ont pas fait. Donc on peut dire que c'est la population qui est dans les abîmes, ou c'est la justice congolaise qui reste dans les abîmes? Bon, ce que moi je peux vous dire, messieurs les journalistes, j'en sais, nous sommes dans un pays d'abord qu'on appelle Mbokabana Nabana. Oh Yesu. Pays des militants. Non, nous ne sommes pas des militants. Pays des militants. Moi, j'ai dit et je répète, nous ne sommes pas des militants. Parce que nous sommes Mbokabana Nabana. Donc, aucune personne n'a une idée mature. Exactement, exactement. Mais c'est les journalistes. Mais il y a même nos autorités qu'on a imaginez, Bananabana. Même les députés que nous avons choisis, ce sont les députés Bananabana. Je demanderai d'abord à Jojo, lorsque notre frère parle de Mbokabana Nabana, même le député d'aujourd'hui. Oui. De il faut balancer les biseaux images. Il y a député on a là l'ipongi. Imaginez. Donc on a évité ce qu'on fait au sein la biseau théâtre dès le départ, ou qu'est-ce qui ne va pas? C'est un bébé où il y a beaucoup de magie qui a les lots. Si c'est une circonscription pour un aïe, la moutou. Je ne sais pas si c'est un militant qu'on a ramassé quelque part et on l'a amené dans l'assemblée. D'ailleurs, le militant ne peut pas s'asseoir dans le même siège que dans la chaise où il y a eu le député communément élu, entre autres Ramoni Ndeko Amis Makutano ou Azali Liboso Nassima Yewana de Kwano Boni va encercler. C'est celui-là où Ndeko Jojo Azali ko balancer bah image Wana de Yewana Alali Bongi. Entre autres, avant d'y passer, je demanderai à Ndeko Jojo Komingo à balancer les biso images, il y a plénière, il y a lobby Oyo Tozali Nayango, comme ça total à une partie à plénière Ndengezali Koleka Bande Kopotoya, na détail n'est pas. On a n'engue basali ko la Vitar Kamer, basali ko yembelaye bima. De quoi tu veux balancer les biches? Un mot peut-être aux onga. Na si j'ai la biche mi balé. Mais c'est Kamer et loi Kaningini Vitar. Thank you.
bomoni rentré parmi parlementaire ba de kobazali wana lorsqu'il y a eu le registre d'appel le nom de Vital Kabere qui a mal sonné dans leurs oreilles. Et vous, qu'est-ce que vous commentez pour qu'on en passe? Bon, en fait, c'est que moi, je souligne et je dis encore pour la population congolaise qu'il faut se prendre en charge. Si tous autres tiers, il y a un qui pour les politiciens, le pays ici n'avancera jamais. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que se prendre en charge. Alors, ce qu'il faut faire, étant que un patriote, un Congolais de père et de mère, il faut botter les mains. Botter les mains. Nous soutenons aussi cette option-là des Congolais de père et de mère. Oui, des Congolais de père et de mère, moi je soutiens. C'est parce que ce que aux Congolais de père et de mère, pour que ça en a souci en boca ou ma casse coléka, moutou oyo. Aïe kaka pour na aïe pour ça la business. Allons-y directement dans notre deuxième sujet. Aïe pour ça la business. Alors, moi, ce que je peux dire à la population congolaise, botte les mains. Et loko, bon imabe, bon dima. Bon dima, koukou fa pour na Congo Oyo. Parce que Congo Oyo, Ezaya Biso. Congo Oyo, Ezaya, ya banana biso Oyo, bazoya. Nous avons les jeunes futurs et nous avons parce que nous avons préparé Congo Oyo et que nous avons fait ça. Et nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Comment imaginer, messieurs les journalistes, depuis que nous avons fait ça, nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous avons fait ba siècle na ba siècle de bazalaka bazo changer eloko mon côté monsieur le journaliste toujours un exemple ya monsieur le Victor Kamere ou moto autre benga lelo pacificateur eloko nini ya sali na mboka oyo baninga toujours ta exemple ya Barack Obama moment azalaki président de la république na au niveau ya États-Unis dans le Victor Kamere a télémissi makambo etali dollar. Ici au dollar et au Congo, il n'y a pas l'inflation de quoi des dollars, il n'y a pas la dépréciation des francs congolais. Ce qui se narre, c'est pas ce qui se dit. Vous êtes ici au pays. Vous êtes ici au pays. Tout ça, il y a un dollar, il y a combien? Il est en train de vous présenter le cadre macroéconomique. Il nous a dit quoi? Dans le cadre macroéconomique. Dans 21 jours. Cadre macroéconomique instable jusqu'à présent. Monsieur le journaliste, population, il y a un dans 21 jours, dollar réseau qui est à 1900 francs. L'autre commune à dollar à combien? Mais il avait cherché cette vidéo. Hein? Il avait cherché cette vidéo. Même à si, qui même si il, avait, demandé... il avait cherché cette vidéo là en question. Hein? Mais, biloko tozo loba, na ba média, ba politicien, pourquoi ça n'a teke, biso ba population, toza ba zo bate. Oui, oui, en fait. Souvent, moi, je prends toujours, j'imite les gens. J'imite les gens par rapport aussi à ce que je réalise déjà. Ce qui est total, il est lourd. Donald Trump, au niveau des États-Unis d'Amérique, tout le monde est musique. Parce que ce qui est au niveau des États-Unis, c'est un exemple de Matata Mpogno. Il était au pouvoir. Nous allons arriver hein? Avec ma pauvre, oui. Vous expliciter alors, sur lui. Avec Donald Trump, à cela qui est le comment Oyo, Tonga qui ba hôtel Oyo cela qui représentable d'abord na niveau ya États-Unis d'Amérique. Mais monsieur Vital Kamerhe, il a volé pendant 18 ans de Kabila. Il a volé encore pendant 5 ans. À 18 ans, il y a un moment, il s'est écarté. Il, non, il s'est écarté du PPRD en 2010. Ça, c'est l'histoire. En 2010, il s'est retiré du PPRD. Son parti politique, avec PPRD, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de Kabila, na Soka. Mais pendant 18 ans, Vital Kamerhe a travaillé qui, pas moins de 17 ans. 17 ans, il a travaillé qui, na Kabila. Mais et loko ya malonga eza ngote suko biso population to bana ko soutenir mutu a bongo ne nini
École à Malunga, et ça n'a pas été. Hôpital à Malunga. Est-ce que vous avez parlé Walungu, Walungu là où il est libre? Mon frère, les journalistes. Là-bas, il y a eu des réalisations à Walungu. Nous avons les gens patati patata, nous avons les gens partout dans la République démocratique du Congo. On se pose toujours des questions. Hein? Parce qu'il y a des gens qui s'inspirent avec des initiatives. Souvent, ils se présentent chez M. Kvite Kamer. Alors, qui est d'abord. Libumunangaï d'abord, hein, tu vois, combien de jeunes qui sont à l'est du pays, Bao Yobazana INC, la partie politique et à M. Vital Kamer, mais Bao Soukakaka Koyemela, tout à l'heure, dans le moment de Kabila, Bao Yobazana qui est la partie politique, il y a M. Excellence, Raïs Nabisu Oyo Tikolongwa, Joseph Kabila, JKK. Moi, je les respecte, coup de chapeau. Lui aussi, il est de père et de mère. Même s'il n'est pas de père et de mère, je confirme que ce monsieur-là, il est de père et de mère. Mais vous avez dit vous-même que même si. Même si, comme oui, si vous avez parce une histoire que vous. La façon vous dont maîtrisez, nous vous les peuples. Une histoire sur lui. Non, nous les peuples. Oyo, tout diabolisé que monsieur, le président, monsieur l'ancien président de la République démocratique du Congo, monsieur Kabila. C'est nous les peuples. Parce que. Biso ba congolais nation ala toujours na sima parce que biso congolais tozana biloba loba tozana biloba loba na cadre moko oyo soki tozu mutu moko aye na lokuta moko boyi na ba papier na e antisa ke voilà asa na ba histoire oyo eza concret ne loko ya zo lobela histoire na nyo eza concrète ndenge boali comme on a non soki mutu aye na ngo. Par exemple, nenge baye ki na histoire oyo ya ndeko Moïse Katumbi. Baye na ba histoire moko batu ya ndeko na biso ya IDPS balokoti kotoyo, balokoti kotoyo. Oh, azade de père et de. Est-ce que c'était au labo de l'IDPS qu'on a parlé? Imagine. Oui. Mais il y a des vidéos de Moïse Katumbi, il y a des vidéos de Moïse Katumbi que moi-même je reconnais. Oui. Que lui-même il avait fait dans une interview, il affirmait même que moi mon père venait de voilà. Donc c'est pas aussi le débat à l'ordre du jour. Exactement. Moi, j'aimerais qu'on puisse avancer directement avec la rentrée parlementaire d'hier. Toujours dans cette nouvelle, nous avons vu Matata Mponyo aller dans cette rentrée. En même temps qu'il est de l'opposition, il a soutenu la candidature de Moïse Katumbi, un candidat qui juge les élections chaotiques, ces élections qui étaient chaotiques selon lui. Matata Mponyo s'est attaqué de ces élections, une élection frauduleuse. Qui ne lui mettait pas à l'aise. Mais aujourd'hui, là, vous avez vu Matata Mponyo rejoindre l'Assemblée nationale. Ça vous inspire en quoi? Est-ce qu'il est allé là-bas pour se couvrir de ses erreurs, pour avoir ses immunités, pour les utiliser afin de ne plus être poursuivi? Ou vous avez une autre. Bon, en fait, monsieur les journalistes. Souvent, moi j'aime parler en lingala. Allons-y, quelqu'un en lingala. Oui, c'est tout. Quand on parle du Congo, c'est le lingala qui parle. Comprendre le voilà. Boyo. Les Français, ici, souvent, notre principe, nous élaborons, nous effectuons nos émissions en lingala. Ah, et la chose qui a fait en sorte que nous puissions aujourd'hui, ou soit dans des émissions pareilles, on se focalise beaucoup plus en français, justement pour permettre à ceux-là qui n'écoutent pas les lingala de nous suivre quand même. Mais il y a notre principe numéro un, c'est notre langue lingala. Allons-y avec lingala, c'est une bonne. Ah ok, ça va, merci beaucoup. En tout cas, tout le monde, député Nabisu Oyo, to Boni Bango, Bazongi, na assemblée, on a Ndima d'abord oyo appelé Aliboso oyo tomona ki bango to ti komona image ya installation ya bureau d'âge babilo ko vembo sazongi vembo sazongi mais monga monga bana na bana hein tomoni na mwana ya monga bana na bana ba kwe bupe kasana na bana c'est que nous appelons toujours monga bana na bana nyoso oyo to komi komona ngo et ça ngo étrangeté parce que ton message ngo déjà OK ton message ngo déjà. Mais comme ça na wana neza siko mabe pour na biso ba population. Okay. Population il faut que melaka et loko nyonso. Ce que tozo le ba chaque fois que ton message na ngo message les journalistes et c'est et loko moko oyo tozo ko mabiso mboka na biso. Toti komona ndeko mapon autiko kota
na parlement ndenge bande ko na biso ya kindu baponi comme leader na bango. Si. En tout cas, ngai na féliciter d'abord son excellence monsieur Matata Ponyo Mapon na ndenge azongi d'abord na parlement parce que c'est un leader de manière oyo azo lobé la penza province naye azo lobé la ville naye azo lobé la même village natal naye. Moi je me rappelle en 2019 où j'étais à Kindu na kita kiti na village ya Matata Ponyo soko kiti na village okondimaki ese village. Ok. Hôtel Oyo, na mona ki nga mo na miso na ngai. Na tamboli na kenda ki Bandundu, na kenda ki Congo Central, na kenda ki ba province ebele, sur 26 provinces na tamboli na 20 provinces. Oyo ya mboka Oyo. Si. Sigo na ba 6 provinces na tamboli nango, eza ne na kokoma nango kaka. Pona koyeba kaka parce que nga soko betelinga lisolo awa na plateau na yo. Na kosala tout. Na kende koyeba situation nini population bazo lekelango est-ce que le logo ko betelanga li solo ke awa na Congo Central bato lo belano li solo en ko Matata Ponyo politiquement parlant Matata Ponyo aboya ki ba election o ezali ya mabe mais ndenge nini se retrouver le sous dans l'Assemblée nationale ndenge se retrouver dans l'Assemblée nationale ya le bosso d'abord pona ko couvrir ngai na selon analyse nanga pona ko comme bomba na likambo oyo ba diaboliser qui est parce que biso population est-ce qu'il y a des tournants qui vous kangalons ôté mon frère les tournements mon frère mais c'est les journalistes les tournements de l'organisation mouzindo non tout en étant président tout en étant président d'une grande structure de son pays les jeunes futurs, vous pouvez quand même placer un atta parce que les animaux ont contribué. Ma jeune, on a encore encadré. Il va souligner dans les Kambouana, Matata Ponyo, Aïba Kimbongo et Bukangalonzote. Aïba Kimbongo et Bukangalonzote. Université de Kindu, et Salami Nambou. Université de Kindu, sur total analyse, tout ça n'a pas preuve. Oh, il y a ça. Je m'en prie. N'a pas ça l'investigation. N'a pas ça n'a plateau. N'a pas awa. Université de Kindu, c'est comme les jeunes futurs, les Londres, nous sommes en amour. Les jeunes futurs, et que vous avez là, n'a projet mon oyo quelconque. Tu es présenté à mon partenaire. Mais yo, osa na structure na yo. Oye quoi adhérer. Oye quoi le baquet non, on a. Projet où il y a les jeunes futurs à Zanango. Ngai, mais c'est les journalistes et gens-ci. Ngai, pour tia comme, ngai, pour s'associer. Pour que Eloko et à la réaliser. C'est comme l'université Matata Ponyo. L'université Matata Ponyo. Vous allez partager avec moi. Projet d'abord, il y a fondation Mapon. Nazoro Bela Maponte. Il y a la fondation Mapon. Dirigé par qui? Dirigé par M. Matata Ponyo. Ok. Imaginez Lelon. Avant qu'il fût ministre ou après ou pendant. Avant qu'il fût ministre, l'université n'a pas coexisté. Et la fondation. La fondation n'a pas coexisté. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Même les jeunes futurs, Lelo, mais c'est le futur président, le futur président. Moutounio Soazo Mouna d'abord, initiative ou amike mike ou nga na zousalate. Elle n'a pas zala. Bah initiative voilà il fallait na privilégier en haut et soit mon ampleur c'est pourquoi bozo monaké Matata Ponyo a ibaki pour la université wana a privilégié qui fondation naie a luka qui bah associé bah investisseur et aminene bah ONG monsus oyo bah ça déjà l'icolo bah financer qui loko wana c'est pourquoi pour monaké université wana. Parce que biso totala kamala mute. Le problème d'abord ya nini ya congolais za bongo te. Eza bongo. Totala kamala mute. Totala ka mabe ya mutu. Okay. Il faut totala ka pe malamu na mabe. Mais surtout mabe le kibola muna ebele. Mais totala beaucoup to plus mabe na yo wana. Parce que nga na zolo bela, mais c'est Matata Ponyo. Parce que au moins le kamwana soko to bete ale kambo bukanga zozo. Matata Ponyo ay baki mbongo bukanga zozo. So kite ba koya gozo ba biso ba. Ay ba koya gozo ba biso te. Matata Ponyo ay baki ba ay baki le kambo ya. Au moins mbongo wana bukanga zozo. Matata Ponyo ay baki te mesele journaliste. OK. O se rappeler toujours. O sa le moko conscient na eloko na zolo ba parce que nga na loba na linga ko loba. Ko ba monter o ezalaka na bukanga lonzo na ba mongo ezeri. So ki bukanga lonzo ibakate. Ba indemnisation ya bato ya za indemnisation ke nda wapi?
la victime là. Les cambo ya bokangalozo eza les cambo politique. C'est qu'il faut savoir. C'est politique, ça, c'est ça les cambo politique. Alors tant Vital Kamerhe azali komona bongo ke non ba élection l'équipe bientôt. Que dirais-je, Mata Tamponi. Lorsqu'il a vu que non, il n'y a pas eu de très belles élections, d'où lui-même il boycottait. Pourquoi il peut aller siéger dans l'assemblée qui est construite par des voix malhonnêtes? Bon, ce qu'il faut savoir dans Mboka Oyo, parce que ce que total dans Mboka Pé à Libanda, ce qui va bien yo aux opposants, cela veut dire qu'il faut que tu les mets là. Mais au finish, Moutoison Gakaka. Opposition, ce n'est pas dire que attendez les cambo, Eza, Mabe, Eza, Malam, Nde, Ogoukoubo et Kaka. Le nom, Toboy, que élection Oyo, Ezalaki, élection Moko Oyo, Eza, élection Moko, y'a nomination, élection Moko chaotique. Tu étais candidat. Bon, en fait, mes parents politiques, Toboy, qui m'a campé, parce que Bissou Moko, Toza, politicien Oyo, Toza, depuis Kala, Tomona qui, Nde, Nini, m'a campé, Zo, Kende, avec. Gouvernement, avec le gouvernement, c'est ce qu'il dit. Gouvernement, c'est ce qui est vraiment abouti à ma communauté. Parce que c'est ce qui est comme dit, organisé pour que déstabiliser mon cannabis. Alors, qui s'appelle quoi? Je parlais, vous êtes de président Martin Fayulu, comment? Vous êtes résigné? Parce que c'est lui même parti qui n'a pas envoyé ses alliés. C'est parce que à la compétition que, législative. Mais c'est les journalistes. Il faut le comment Kokota là-bas. Au moins mais c'est Martin Fayoul. La PC monte partout où il est. Mais c'est Martin Fayoul. C'est un leader. C'est mais c'est Oyamona Galiboso. À mon avis déjà, même quand on est naïe, où il y a quelqu'un qui peut postuler, et c'est côté naïe, bah quelqu'un côté naïe. N'a-t-il pas qui? Eh, c'est sont des, tu vois? L'Église catholique. Non, c'est pas l'Église catholique, parce que l'Église communauté catholique, internationale. L'Église catholique a ça partout. Communauté internationale. Qui lui avait envoyé? Oui. Pour aller faire quoi? Oui. À quel côté allons nous marcher? Attends, parce que, n'importe quoi d'abord il y a Martin Fayoul, n'a idée naïe d'abord. Isaïe a postulé. À la compte des organisations. Entre parenthèses. Oui. Martin Fayoul, même dans ta campagne naïe. Martin Fayoul. Et ça les campagnes moko oyo. Un candidat à président de la République a beaucoup salangoté. Mais c'est le journaliste. A banné ko salangou pour na sala rada. Et ça les tingaï. N'a pas eu que kende. Ko postulé na présidence. Pour n'en a postulé. Ba mounare. Nazalagi. Candidat malheureux. Okay. Parce que tout le monde a quitté. Tu avais les ambitions d'aller postuler oui, à la parce présidence. Que moi, je suis de la présidence. Ok. Je suis de la présidence. Et puis mes parents, Bazalaki, vraiment prêt, il y a qu'au délégué à la présidence. Ok. Mais Totalaki, aventure Oyo. D'abord. Ça allait être fruit à vendre, justement pour avoir. Parce qu'il y a certains candidats, selon mes caméras, qui ont justement postulé pour être vendus à ceux-là. Qui vont lui accepter comme son allié. Non. Ça, il faut d'abord que l'on l'a dans mon tour, monsieur le journaliste. Du coup, Naza d'abord gêne. Na koli awa na Congo. Na yebani na Congo. Na bani na ba initiative nanga awa na Congo. Na yebi ponu madesu ezalande nini. Na yebi kokata bilanga ezande nini. Na vision oyo nazalai nango. Na souffrance oyo na lekela ki nango siko yango ne bane kutina ngai siko yo etant que jeune na luka ki batu oyo bakopesa nga poa une fois que élu il faut que ba ide nyonso et ça le manini et se réaliser par exemple tout ça na ba domaine moko oyo na rappela ka toujours monsieur le président nazo respecter monsieur le président monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Osan a des visions y a bien, Osan a des promesses y a bien, mais il faut que tu la rabattes. Oh, ils ont tiré bangou na pouvoir maïo. Mais les lots au tomoni ba oh nyoso bazaliba, mais ba oh les postes pe des gens toi les koyo kanabai qui pouna que non y a un problème déjà y en a c'est là qui se sous-entend. Moi je serai. Même si bateau et tozo bazo lo baki, moi je serai. Pouvoir, Osan y a bateau calaté.
pouvoir eza yaba yaba kokoté pouvoir eza hein eza yaba batoyo bazana ba licence bazana non pouvoir eza intelligence c'est qu'il faut savoir monsieur le Félix Antoine Tshisekedi et puis na ba autorité oyo bazomi kumisake ngai ndai ngande ngai ndai ngai ndai allons-y directement tout monde oui monsieur Matata Ponyo azo se couvrir na son immunité na immunité na na constitution na biso na justice na biso oyo ceux qui allaient vraiment bah oyo bazo tambola na droiti mbele likambo matata ponyo batika kyangu lipikana vous comprendrez. Pona ni bo salanite. Pona asal pona ni tourna ke lokote. Merci beaucoup. To suki wana pona matata ponyo de tourna ke lokote. Allons-y directement. Ndeko jojo komingo to kosenga image oyo. Ya ba kuluna bazolanda ba policier mbangu. Kuluna azolanda policier mbangu ba dekona ngabota lesika mboki komi. O balobi mboka bana na bana kuluna olie policier landa kuluna. Pratique et sécurité pour nous, la soie comme il y a un policier. Nous avons comme nous sommes sur l'image Oyo, comme ça, tout le monde a été chité dans ma tali fondation Les Jeunes Futurs. Oui, Toye Kozonga, Ponatina, Yakobé Tali Solo, Omoni, ma policier, Nenge Bazaliko Bandambam, Baliko Pakata. Si ba kuluna ba komna nifo ko bamba bango mabanga tant wali ko mona force de l'ordre ah mboka bana censé à ko maintenir ordre azoko ka ko maintenir ordre te ba policier wala ba liko paka ki samba ouais ezo sala oné bon ya liboso d'abord on a ko ko souligner pour na ba tunyo so ba zola na biso partout dans le monde. Kotala vidéo on a tiku monango oyo monsieur le kwa uti ko lakisa biso awa na analyse on a tiku tala c'est parce que biso d'abord gouvernement tous se sentir incapable na côté sécurité déjà que gouvernement incapable gouvernement biso azo assumer sécurité malamu te. Nous avons toujours d'abord exemple de la ville à Kinshasa. Ville à Kinshasa, il faut améliorer la sécurité. Les policiers ont amélioré la performance. Le problème est que les policiers ont un peu de maturité, une maturité, une stratégie, une policier. Et la commune sur le terrain, il y a des policiers. Imaginez les policiers qui ont un peu de maturité, qui ont un peu de maturité ensemble. Si vous avez un peu de maturité, il faut côté wana la sécurité batala ba policier nini o bazotia la biso na ville à Kinshasa ba policier nini o bazo former bango afin que sécurité ya kuluna alandela un jour policité. Merci beaucoup tokomi kokile na suka émission na biso. Oui, quel est votre projet par rapport à les jeunes futurs? Bon, par rapport à les jeunes futurs, en fait nous avons plusieurs ambitions. Nous avons plusieurs ambitions dont nous soulignons d'abord notre ambition principale se base sur l'éducation. Ok. Oui, sur l'éducation parce qu'avant tout, il faut d'abord former les gens, éduquer les gens dans le cadre où un jeune peut se prendre un jour en charge. Ok. C'est ça aussi la mission des jeunes futurs. Alors, le message que vous pouvez lancer à la population qui nous suit, parce que tout comme il a soutenu une mission. En fait, le message que je peux passer partout dans le monde, j'appelle aux jeunes qui sont passionnés dans des initiatives, dans des visions pertinentes de nous rejoindre, parce que nous sommes les jeunes futurs. Nous sommes en train de façonner les initiatives des jeunes, les projets des jeunes, d'encadrer les jeunes et d'accompagner aussi
aux jeunes à réaliser leurs rêves, leur mission dans les jours à venir. On peut simboter pour un ami pour te boucler mission. En tout cas, mbote nanga d'abord, oyo na bandakango, na bandakango d'abord pour pisser d'abord, mbote na ba jeune nyoso partout dans le monde, parce que c'est nous l'avenir. Ok. C'est nous le développement, c'est nous les changements. Ok. Et puis mbote nanga liboso na pisser kapa ya monsieur Gustave depuis Wash, depuis États-Unis d'Amérique. Ok. Parce que c'est un jeune. Azo encadré biso ba jeune na les jeunes futur, et puis c'est un président de l'organisation IGF oyo tozana bango en partenariat na opesa mboti na ngai pa ya monsieur Georges Alula depuis Washington, le docteur monsieur Georges Alula na opesa mboti pa ya madame Césarine Mboma. Madame Césarine Mboma, madame Césarine Mboma depuis Washington. Okay. Et puis awa non, piste la mbote, la bateau oye baza awa, na mboka la biso, boto cadre les jeunes futurs. Ok. On a banaga toujours pour piste mbote par les CG, mais c'est Joël Mumbe, okay. C'est lui le CG des jeunes futurs. Na piste a toujours mbote, na directeur nanga oyo, asalara toujours proche nanga, monsieur Edo Botes. De la rentrée parlementaire du 29 janvier 2024 qui était caractérisée par certaines humiliations de la part de Vital Kamerhe et certains députés qui dormaient. Matata Mponyo a aussi participé dans cette ouverture de la rentrée parlementaire du 29 janvier 2024. Et nous avons aussi discuté autour de Bakuluna, Bazali Kolanda, ba policier ou Salibiso Pepasi, ou Mounabili Lingin, de Kojojoba, la Salibiso. Restez-nous toujours fidèles, restez toujours branchés, nous sommes toujours là pour vous informer. Je salue à passant monsieur Dani Chibangu, mon petit frère propre, toujours attaché de son maître Oyope Abima Kibongo, député national. Dani Chibangu, je te salue là où tu es. Tous nos téléspectateurs de Nzamu TV, mais aussi ceux de Riako News, les internautes, je ne peux pas vous oublier. En attendant, monsieur Léon Ilunga, là où tu es en direct des États-Unis, tu es en train de nous suivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir. On suit des programmes sur Riako News. Bye. Riako News, vous informer, c'est notre devoir. Réaco News, la chaîne qui vous informe en temps réel.